Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rikai et on se retrouve sur Zelda The Wind Waker pour la suite du Let's Play. Donc vous voyez, on va aller sur l'île gelée cette fois-ci aujourd'hui. Voici les deux îles de feuilles gelées. Là, qu'est-ce que ça? Un trésor encore. Pas. Si c'est notre route, on va le prendre. Et là, on va peut-être pas le prendre. Bon. Taillou, on se casse. Puisqu'on peut y aller. Allez, je l'ai. On va utiliser une nouvelle flèche de feu. Il y a des navires avec des canons. Là, on va pas rester ici très longtemps. Ah! Oh merde, il y a un temps limité. Hey Link. Faut courir cette merde. Non mais allez, il faut que je rentre là. Un passage. Ah! Allez, monte. Carte de trésor, sympa. Ouais, donc là il faut absolument que je trouve un moyen de monter là-dessus. Il devait y avoir ce petit... Ah voilà, c'est de l'autre côté, d'accord. J'ai pas eu une minute entière avec ces conneries. Au moins, ça va. Bordel, nulle part qu'il faut que je fasse le tour. Oh putain, si ça fait le tour. Oh, c'est salopard. Bon, toi le navire, t'es gentil, tu vas pas me... Tu vas m'embêter alors que je suis en train de galérer avec cette île. Qu'est-ce qu'il a pris de mettre un temps limité? Oh, oh. Et arrête les petits cris là, dors frais Link. Tu fais pitié là. Oh les fils de chien. Oh c'est plus pourri que la fontaine des auras. Eh mais une fois qu'on y est dedans en plus, il faut qu'on fasse ce truc à l'intérieur hein. Putain, mais Link, retombe pas dedans là. T'as pas tellement mourir. Je suis sûr qu'on va mourir. C'est pour ça que j'étais ce niveau de mer avec de la glace parce que c'est gelé, c'est froid, c'est chiant, on se vaut tout le temps. Y'a rien à faire avec le truc là, non. Bon. 2 minutes. Ça va être chaud. Ou pas. Mais reviens à la plateforme, allez, fais pas la pute.
Allez, vite, la gueule dragon. On se grouille, t'as plus que 2 minutes. Même pas. J'espère que le trésor sera pas trop loin. Il faudra pas 2 minutes pour l'atteindre, le bazar. Ah si! Non, c'est quoi ce bordel là? Oh putain! C'est quoi cette blague de merde? On remonte comment? Grappin griffe, je veux grappin griffe. Foirer le truc. Oh. Et on va foirer en plus, je suis capable de foirer en plus qu'un abruti. Ah c'est là qu'il faut passer en fait. Oh. Bah, tout le monde peut y arriver. Putain les saloperies, ils m'ont renvoyé en bas. C'est mort, on est baisé. On va se faire jeter dehors. Ah bon. On va tuer la gueule du dragon. Mais gros toi le bordel là, le lion rouge là. Mais c'est à foutre moi. Allez, laisse-moi descendre vite. On va recommencer. On va atteindre le passage derrière, faire tout le tour du bazar. Bon, allez, on va recommencer, donc on sait quand ça marche. Le coffre est ouvert. Allez, petit cri de Link. Non, reviens là. Ouf. Fumier. Bon, on a moins galéré cette fois-ci. Allez. Viens là, petit. C'est bon. Je crois que des pics, c'est-à-dire objet rare. Il tire là-dedans.
Les bottes de plomb. Ah. Bottes de plomb. C'est-à-dire que si je vais ici... Ouais, elles sont là. On va acheter un escargot. Et regardez ça. Je me disais bien qu'il fallait toujours regarder ces genre de petits coins là. Ça sentait le truc piégé. Non. Très bien. Je relève le défi. Sportif, je prends. T'es sportif, toi? Non. Un Dark Nut, là. Encore un cochon. Oh, j'ai plus de magie. Non, le jeu va le faire foutre. J'ai plus de magie. Non. C'est pas possible. Eh bien, c'est vrai qu'il me refait de la magie, c'est pas possible. Je peux pas me faire ça, les gars. C'est dégueulasse. Franchement, c'est honteux un truc que ça. Un coup pareil, c'est lamentable. Là, je vais tenter un truc. Il se passe quoi si je prends mes bottes et je jette comme une merde? Non, mais ça serait rien. Vous savez quoi à faire? Cafarine. Je vais regarder une chose. Ok, il faut que j'aille donc désormais si je me rappelle bien. Non mince, ah, je galère vraiment avec ce jeu. Donc j'ai fait le gelé, il faut que j'aille vers la montagne de feu. Et voici quoi à faire. On va se téléporter avec le recueil de la tornade. Non, pas ça. Tu sais pourquoi je fais ça? Pour essayer de débloquer le temple suivant. Ça va faire des espèces un peu plus rapides. Je suis con, non? Je sais pas. Il y a un truc qui me manque.
Non, je suis con. Non, il faut effectivement ces putains de d'objets de la montagne de feu d'abord. Île aux forêts, on va faire plein d'or, c'est très simple. Plein d'or, et surtout après, il faut de la magie. Donc je vais chercher de la magie dans l'île aux forêts, je vais couper les trois buissons. Thierry, j'ai acheté 2-3 trucs. Et t'as de la bouffe à goéland parce que les goélands, il va en falloir. Je vais l'acheter encore un petit peu. Bye. Normalement, on va pouvoir choper de la magie dans les buissons. Normalement, je le dis. Ah non, je ne pense pas. Hein. Voilà, la magie. Question c'est, est-ce que ça vaut le coup de retourner dans l'île gelée? Non, l'île gelée ne fait pas partie des îles où il y a les cartes de la Triforce. Écoute, c'est une seule île de l'Aurore. Qui c'est ça? J'ai oublié le champ. Haut, gauche, droite, je suis con moi. Plein d'or. On se retourne le golan ou pas? Pour le fun. Allez, on se retourne parce que maintenant on va, je sais ce qu'il y a. J'ai plusieurs... Donc j'ai plusieurs objets qui peuvent être de... J'ai plusieurs tentatives avec le golem, on va dire. Et puis c'est une carte de Triforce, autant la choper le plus possible. Ouais, pas terrible ça. Fais-nous des grosses récompenses, voilà. On se marre. On prend plaisir à choper les trésors, parce que sinon, si on se dit, ouais, c'est juste pour 10 trucs. J'en pense qu'il me faudra presque 950 rubis pour acheter la carte dans l'île de la Rocaille, de la boutique de Terry. Ça coûte super cher. Du coup, il faut que j'accumule le fric. Oh, c'est étrange le petit truc là-bas, tout là-bas, isolé. Je suis sûr qu'il y a une île là-bas, au nord de l'île au nichoir. On ira peut-être l'explorer en passant. Pas tout le vent souffle vers le nord. Trois bouffes à volant, ça devrait être bon normalement.
Oups. Oups. Un moins. Pas la voir ce machin. Alors on va utiliser le petit fruit. Hop. Il y a des interrupteurs sur tous les trucs. Oui, il y a des interrupteurs sur tous les boutons. Mais il faut tous les activer. Oh bordel. Oh, fait chier. On va réessayer. Elle est plus désactive. Ok, 1. Merde. Elle est réactivée, c'est bon ça. On va essayer d'avoir un autre passage, je suis là alors. Deux. Chien, il casse les pieds. Bon, on va retourner la dernière fois. Eh mais ça me gonfle cette île, je le sens. Heureusement, ça se réessaye pas, il faut pas tout faire d'un seul coup. 2. Non! Chien. Et là, c'est le passage. Oui! Oh, bon sang! Oh, bon Dieu! Le dernier! Qui m'a fait chier! Oh, je vous jure! Là, par contre, c'est un truc. Ah, mais non, t'as plus de flèches! Ça va me briser, bien, je vous le dis, hein, clairement. Ah, porte de Triforce. Thank you.
Boum! Allez hop! Mets du vent. Et le corps devrait apparaître, normalement. C'est bon, il n'y a pas d'autre épreuve. Il y avait juste ça. Une carte Triforce, voilà. Juste me fait deux rubis jaunes, un truc comme ça. Ce serait plus simple à transporter. Je sais bien que ça fait plaisir aux joueurs d'avoir un tas de fric, mais en fait c'est plus chiant qu'autre chose. Bon, maintenant on va par se tirer vers le nord, vers l'île de, enfin la montagne de feu. Mais surtout marquez qu'il y a également une île par là-bas. C'est une île de fées, ça. On va aller juste ici, et la montagne de feu, elle est ici, hein, donc du coup, bah... C'est une île aux fées, c'est évident, hein, vu la forme. On va s'y arrêter. Pas le pirate par contre qui traîne là-bas. On n'a pas détruit ce machin là, tant pis. Ah! Ça a le cul. Bon, c'est pas trop dur ça. On connaît la chanson. On va sortir la masse. Et voilà. Bon, quelle sera la récompense des fées? Soit c'est plus de flèches, soit c'est plus d'autres choses, ou plus de magie, un truc comme ça. Bon, allez, grande fée, ramène-toi. Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Voilà, maximum de flèches qu'on peut transporter a augmenté, voilà. 60 flèches. Oui, les filles de la source ont soigné les blessures, je sais, merci. Allez. T'es encore là, toi? Au lion rouge, t'es où? T'es là. Il y a pas de façon de pirate ici, on va se le descendre. Et là-bas c'est quoi cette petite de merde là? Il y a des trucs, vous savez, que j'aime pas trop. Mais c'est bon, stop! C'est bon là, je suis sur place? Oh, ces merdes là qui flottent, je les déteste.
Les voir, ça m'insupporte. Faut pas les voir, non. Pas de thunes? Ah, pas, un peu plus de thunes que ça? Ben, trésor. Ah, vous vous rappelez ce qu'on nous avait dit? C'est un trésor, c'est visible que de nuit. Il y a quelque chose. Il y a une île là-bas. Il y a un trésor sur notre route. C'est là. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ce trésor? Vingt rubis, super. Bon ben, qu'est-ce que c'est-il? C'est l'île de la rocaille à tous les coups. L'île de la rocaille bis. Je vais être jusqu'à là. Ah, c'est la tour des dieux. Parce qu'il y a la tour des dieux comme ça. Et là, on a la. L'île du dragon. Ah, petit poisson est là en plus. On va interroger en plus. Enfin, en plus, on va interroger au passage. Et il y a trop de trucs qui m'intriguent ici. Hey. Alors, le lac, hein, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que ça me dit cette île? Archipel d'Orion. Ah. La 10 minutes sur la gauche, la mer semble hantée par ici. Ok, c'est une île pour bateau fantôme. Vous savez quoi, on va aller en face. Mais ça, c'est quoi ça? Je vous promets, après, je vais le lancer à gauche pour aller vers la montagne de feu, promis. On va aller maintenant plutôt. Allez. On passe taliser dans un Salim Alec de quête. J'ai dit qu'on n'avait pas trop papillonné non plus pour aller vers là-bas. On va mettre également l'arc du héros préparé. On va appeler la montagne là-bas. C'est juste un espèce de vieux bateau. Tout est un sous-marin pirate. On explorera ça plus tard. Oula! Petit freeze.
approche. On va essayer d'approcher le plus proche possible de manière à pouvoir gagner quelques secondes précieuses. Non, voilà. Bim, on l'a congelé. Ouf. C'est bon, descend. Oh non, putain, ferme ta gueule, toi. Monte, Link, dépêche-toi, il a pas beaucoup de temps. Gauche ou droite? Droite, ça m'a l'air plus joli. Ouais, regardez la forme. J'ai l'impression que c'était bon chemin. Oh bon sang. C'est plaqué. Avance, crétin! Bon, elle a pris qu'une minute pour faire ça. Le volcan. Là, c'est l'arrêt fermé. Si je mets une bombe, il se passe quoi? Ok, ça marche pas. Faut se faire le tour. Génial. On va se faire emmerder par les chauves-souris en plus. Voilà, par contre, il n'est pas question de se vautrer. Ouais, faut que je fasse quoi avec ça? Eh, faut que je fasse quoi sérieusement, les gars? Mais c'est bon! Pas ta hauteur là! Ok. Et toi là? Hé hey, vite, regarde-moi là. Ok, ça marche aussi. Ouais, c'est bien, ça fait tout, c'est tué. Mais c'est quand même hyper relou, hein. Et on va obtenir quoi là-dedans? Brasser de force, c'est un peu le brasser Goron. Et je peux porter ça, fait très très lourd. Et maintenant je peux me tirer de là. Et vous rappelez les têtes de pierre comme ça qui est sur l'île de l'Aurore et compagnie? Je peux désormais les détruire. Youpi. Et je vais partir d'ici. Et vous savez quoi? Vu que je suis papillonné, je vais être gentil avec vous. Il y avait une tête de pierre comme ça sur l'île de l'Aurore, avec, si vous vous rappelez bien. Il y a une tête de pierre comme ça sur l'île de l'Aurore. Et il y a en plus une carte de Triforce. On va donc jouer le reconnaisseur d'AD. On va juste chercher la petite tête de... La... Pas la tête de pierre, mais la...
La petite récompense. La terre de la Triforce qui est là-bas. Ça sera un peu plus long, peut-être. Mais au moins, on aura fait les deux îles. On aura fait une autre carte de la Triforce. Ce sera bien. Ouais, ce sera bien. Allez, youpi! Vers la maison! Allez, Terry! Et là, c'est pas plus bien. Et... cette musique. Ça fait quand même bizarre de rentrer à la maison. C'est une question. Dans mon sac à trésor, j'ai combien de blasons d'épices? Neuf, chier. Un plus, et puis je pouvais avoir peut-être un truc de d'orco. C'est celui qui manque, vous savez, quand on est dans la grotte du dragon glace. Il y avait un chevalier. Pourquoi pas pu vaincre, parce qu'il manquait de la magie. Le vent souffle vers l'est, en plus c'est pratique. L'ouest, je veux dire. Ah, le petit effet de vent. La forêt là-bas. Lui, il regarde la direction justement de la tête. Ce qui est un bon indice d'ailleurs. On va se mettre là-dessus, regardez. Le vent souffle dans la bonne direction. On va prendre la feuille mojo. Et on sait quoi faire. On va prier pour que ça passe. Voilà. Putain. Est-ce que je vois assez de magie? J'ai passé de magie, bah je me dis merde, j'ai sué. Allez, non, faut que j'en ai assez là. Allez, tiens bon. Non ! Bordel ! Merde ! Oh, c'est joué un poil le cul près. Bon. Je sais qu'il y a la magie dans les pots là. Je vais avoir de la magie là-dedans, s'il vous plaît. Y'a rien de ces merdes. Y'a jamais assez de magie ici. En tout cas, mamie a essayé de quelque chose, non? Bon. Souvenez-moi, merci. Ah! Ça régénère toute ma magie en plus. C'est une potion bleue, quoi. Il y a deux doses en plus. Bon à savoir, j'ai oublié cette taille-là. Bon. Allez, avec la magie, on va pouvoir faire quelque chose maintenant. On va y arriver! On va y arriver! Donc, je disais donc, reprenons, nous allons refaire le chemin.
L'avantage, c'est que contrairement à la dernière fois qu'on est venu ici, il y a une chose en moins. Non, ça m'en fout. Il y a une chose en moins. Est-ce que vous aurez remarqué? Tenez bien l'oreille. Il n'y a pas les petits. Tu sais, ces petites merdes là, avec leur trident fourchu là. Parce que non, oui, c'est normal, c'est des fourches. Hein. Trident, c'est à trois dents, c'est normal que c'est fourchu. Hein. Putain, je suis con. Il n'y a pas ces petites merdes là, horripilantes, avec leur petit son agaçant et insupportable. Qui est là, qui vous pourrit les oreilles. Parfait. Allez, on y va. Deux tisières là qui vous redonne tout. Hein. Bon allez, là c'est une pierre qui est hyper moche. Ah, hyper moche, ça ressemble un peu à Tengu. Hein. Allez, on va prendre la carte à Triforce si on a raté l'épisode ici. La question c'est qu'est-ce qu'il y aura comme épreuve à subir. Non, trois fées. Ça pue ça. Crypte magique au plus profond des ténèbres. Cherche le fragment d'or que tu convoites. Oh là 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 là, j'aime pas ça. Rien que le nom crypte magique, ça pue. Vous savez ce que je crains? Je crains une épreuve en mode caverne de Lord Dali, comme dans Twilight Princess. Caverne de merde où vous avez 50 étages à descendre avec plein de monstres. Il y a rien qui apparaît, non? Bon. Enfin, s'il n'y a que 10 étages, ça sera un peu chiant. Non! Parez-vous, cette petite merde! Vous avez des trésors ou pas, ça vous gueule? Dis-y, Ruby, génial. Après, vous allez voir qu'il va y avoir les petites mères qui donnent des pensées de bonheur, puis des cochons, et enfin un Darknet. Merci, on peut mourir. Parfait. Les chuchus, vous mettez les chuchus à ce niveau-là du jeu? Merde, c'est un méga, c'est sérieux. C'est pas des ennemis, c'est juste une rigolade ces merdes-là. Des cochons? Oh bordel, non, 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 c'est bon là, vous m'avez gonflé là. Non, non. Ah, je vais taper comme ça. Eh, hey, elle est moche! Ouh, je suis là! Meurs! Eh, petite merde! Bon, bah, ok, maintenant je le saurai. Maintenant, une fois que je les ai paralysés, je vais leur bourrer la gueule à coups d'épée. Link, arrête de gueuler comme ça, c'est pas la première fois que tu te prends dans une grotte, non? Oh non, putain, le cauchemar! Et c'est plus chiant que les petits zims de merde, les zims de merde avec chauve-souris de merde. Y'a du traînard là-bas. Et vous avez vu, il refile pas un cœur, hein.
Parce qu'ils aiment nous voir galérer. Voilà, subtilité sur 20. On se tire. Et il y a combien d'étages dans cette grotte de merde? Parce que là, je pense que ça va me gonfler un petit peu là. T'es volé toi pas? Non. Merci. C'est quand vraiment devenir sombre. Hein. Oh non. Fils de chien. Arrêtez le collier, crétin. Enfin, je trouve à qui les vendre à Mercantile. Oh. Ça est bien étrange ici. Il y a une salle de repos. Ou une salle pour revenir à la surface, mais j'ai pas envie. Mettez-moi des trucs sérieux là, des trucs qui valent le coup d'être affrontés. Un vrai challenge quoi. Ces merdes là, c'est plus chiant qu'autre chose. Le défi, c'est 0 sur 20 là. Allez, 0,5 sur 20, pas gentil. Bon! Ok. Dernière. Tais-toi, merci de faire ça. Allez, on sort. Je l'ai récupéré, je sais pas combien. Je crois que je remonterai une autre récompense à Miss Mary un de ces jours. Ouais, ils sont juste chiants parce qu'ils sont nombreux, c'est tout. Hein. Et c'est tout. Hein. Là, y a aucun défi. Hein. Aucune difficulté. Par contre, ce qui est chaud, c'est que là, il n'y a pas de... Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun cœur qui est rendu. Hein. Quoi? Oh, saloperie!
pas grave, j'ai encore la soupe de aimer. Allez, donne-toi. Ouais, c'est plus fatigant qu'autre chose en fait, hein, je pense. Ouais, puis c'est déjà à une heure, hein. Je pense que j'aurais peut-être pas dû faire... J'aurais pas dû faire l'épreuve là. Un épisode, voilà ce que je voulais dire. J'aurais dû la faire en deux épisodes. Dire prochain épisode, bah on commence par chercher le frame Triforce. Enfin le parchemin plutôt. Parce que je suis sûr qu'il va aller voir cet enfoiré de Tingle et demander de les traduire, enfin de les décrypter. Pas dur, on a juste à spammer comme un connard les flèches, c'est bon. Salle de repos. Vous savez ce que je vais faire, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode du jour vous aura plu. Moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde!